pas le héros, Hugo, armé comme des Hugo, Hugo, Arvenest, Boy West, c'est tu 1-3-0, Bougista, Hugo, Hugo, la bébé, Hugo, Hugo, musicien, Hugo, Hugo, CR6, Hugo, Hugo, 9-1, Hugo, Hugo, 9-2, Hugo, Hugo, 9-3, Hugo, Hugo, 9-4, 9-7, 7-6, Hugo, Hugo, 7-7, Hugo, Hugo, 7-8, Hugo, Hugo, le 13-06, Hugo, 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 Hugo. Ok. Bon lieu sale. Sinox toujours RDV comme d'habitude. Donc ça commence comment? Ok, c'est Sinox, le traditionnel ok c'est Sinox. Voilà. Là il y a bientôt les t-shirts. Comme d'habitude. Donc okay. On est sur le tournage du clip de C4 Clan. Higo. Donc un gros morceau, Higo. Ouais. Donc vous avez décidé de clipper, donc vous pouvez nous expliquer déjà qui est C4 Clan pour les gens qui ne connaissent pas, rappeler un peu qui vous êtes. C4, encore membre du C4, Nescro, Tushrov, Tasles, Bastos. On va faire plus simple, tourne ta caméra par là. Et donc originaire du 78. 7-8, c'est toutes les Mureaux, 7-8-130. 7-8, un département, beaucoup de rappeurs. Ouais, beaucoup de rappeurs aussi. Aujourd'hui, on est sur le tournage du clip Higo. Uh-huh. Un son que vous avez envoyé déjà depuis pas mal de temps, qui a eu un gros buzz sur Internet. Ouais, il a un peu tourné. Hein. Il est aussi passé sur Skyrock aussi, il y a une semaine. Ah, bah, c'est intéressant ça. Comment ça a été, comment ça s'est passé? Il est passé sur Skyrock. Franchement. C'était quoi vos attentes et vos désirs par rapport à ça? À la base, tu vois, on a fait le son. C'était plus une expression de la zone qu'on utilisait beaucoup. Parce que c'est après, vrai qu'on a entendu parler de ce son-là dans la première interview. Voilà. Vous disiez qu'il y avait un son qui arrivait. Voilà. De la suite. Donc Higo, parce que c'est un son, c'est quelque chose qui se dit souvent dans les quartiers maintenant. Ouais, surtout chez nous, tu vois. Ça fait un peu. C'est un langage, c'est devenu. Ouais, voilà. C'est un phénomène. Chez l'expression. Nous. L'expression. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre rappeur qui s'appelle Dossé, qui avait sorti un morceau qui s'appelle Higo, ouais, qu'on retrouve dans la BO de son film, Karma. Vous, ça vous a fait quoi d'entendre que Dossé aussi avait le même... De base, le son l'avait déjà enregistré depuis un moment, tu vois. Et le fait de l'entendre, on était un peu surpris, on s'est dit, ah, on sera pas les premiers à balancer. Mais pas grave. Le mec, ça fait partie de la concurrence. Voilà, c'est pas la concurrence. Et d'ailleurs, jamais... qu'est-ce que vous avez pensé de son son à lui? Parce que vous l'avez écouté. Ouais, je l'ai écouté. Franchement, le son est bien, tu vois. Il est bien, ce son. Après, nous, on a plus joué sur la gimmick, sans savoir, tu vois. Voilà. On a plus joué sur la gimmick, etc. Mais ce qui est bien, c'est que les deux sons, ils se ressemblent pas. Voilà. Chacun a fait ça avec les idées. Ils pourront pas dire qu'on a pompé, hein, voilà. Parce qu'on n'a pas pompé. Hein. Ses idées, on a placé nos idées, il a placé ses idées, ça se ressemble pas. Donc ces deux sont différents, sauf qu'il y a le même titre. Et ça fait quoi qu'une grosse radio comme Skyrock ait diffusé le son? Parce que c'était Fred qui l'a diffusé dans la nocturne. Ouais, la nocturne, exactement. Tous les vendredis, à partir de minuit. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Hein. Vous avez eu des retours par rapport à ça? On a eu beaucoup de retours, surtout sur les réseaux sociaux, Twitter, sur Twitter, Facebook. Hein. Ouais. Téléphone aussi, il y a beaucoup de potes qui ont appelé, comme Mibis ici présent. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, m'appeler, il me dit ouais, tu passes sur Sky, etc. Tout ça. Ça fait plaisir. Après, voilà. Ça peut tourner, ça fait un peu monter le truc. Mais d'ailleurs, il y a un célèbre rappeur qui s'appelle La Fouine aussi, qui l'a retweeté sur son Twitter officiel. Il a retweeté sur son Twitter officiel. On a relégué l'info aussi. Ben, ça fait plaisir que l'on s'intéresse à ça, hein. Que tout le monde s'y intéresse. Donc ça fait plaisir. Ça fait du buzz, etc. C'est bien pour tout le monde. Parce qu'on sait que La Fouine, vous avez déjà collaboré avec lui sur Capital du Crime. Ouais, sur le 1 et le 2. Ouais, à l'époque. En sachant que Capital du Crime 4, il est en préparation, quoi. Uh-huh. En espérant vous voir dessus. Je pense pas. Pourquoi ça? Parce qu'on a des projets en vue et on va se pencher dessus. D'accord, c'est vrai qu'il y a... Plutôt que de se pencher sur les projets des autres. C'est vrai qu'il y a La Source. Ouais, La Source. La Source, déjà, il est fini, il est en mix. Donc on attaque l'album, mais on va pas donner le titre maintenant. Ouais. On préfère terminer et... On va travailler au calme. Voilà, plus d'infos. Travailler au calme. Donc La Source fait expliquer que c'est une mixtape qui sera avant l'album. Voilà. Exactement.
ça, c'est plus pour buzzer la chose, tu vois, pour donner la couleur de ce qui va arriver. Et un peu réveiller les troupes qui pensaient que c'était fini alors que c'est pas fini, hein, loin de là. Il y a du son qui arrive, attention à vos culs. Hein. C'est vrai que ces quatre clans, c'est pour ça que j'ai annoncé le retour de ces quatre clans. Ouais. En fait, quand t'as dit le retour de ces quatre clans, c'est pas le retour parce qu'on s'est jamais arrêté. C'est juste qu'on n'était pas sur, au devant de la scène médiatique. Même si les gens ont pu croire que c'était fini, c'était pas fini. Là, on arrive avec des sons, on dira pas que c'est lourd, faire de la surenchère, etc. On laissera aux gens juger. Juger d'eux-mêmes. Voilà, et donc vous aussi, vous avez décidé de clipper le son Ego. Voilà, parce qu'on pense, tu vois, personnellement, que c'est un son qui est porteur. Avec l'expression, etc. Après, ça nous ressemble un peu, tu vois. Et voilà, comme et, on dit. Hein. Et il faut décrire un peu la couleur de ce clip aussi. Le clip, bah, comme tu vois là, tu fais le tour, hein, en mode hangar, tout ça. En mode désaffecté. Voilà. C'est crade. Ambiance crade, etc. Comme, comme partout dans les zones. Hein. À part les zones pavillonnaires. Merci à vous en tout cas. Ouais, et de toute façon, on se retrouvera pour parler aussi de, du projet La Source. Si, et on vous souhaite un bon clip. Si, merci. Merci à vous. Igo, c'est Capcom. Igo, M-I-S-G-O, qui se cache. Igo, je vais pas dire des bêtises. Moi, je pensais que c'était un célèbre joueur de foot. Ouais, aussi. Je suis manager, je travaille au Black, je lance une annonce pour tous ceux qui veulent faire de papier peint, peinture, parquet. Hein, moi, je suis preneur. Ok, bon, on attend les messages. Ah, et surtout, on voudrait remercier Joe. Jover, qui a fait le rap. Regardez ça. C'est vrai que dans le hip-hop, il n'y a pas que le rap, il y a aussi le graphe. Ça fait partie du hip-hop. On a fait ça dans l'esprit hip-hop. Voilà. On tient vraiment à remercier Jover, Smooth, KNE d'avoir fait ça, tu vois. Robby Copper aussi. D'avoir fait ce chef-d'œuvre. Voilà. Contemple un peu ça. C'est du travail de pro, c'est du travail d'orfèvre, ma gueule. De toute façon, on laissera découvrir ça aux gens qui regarderont le clip. Voilà, ok. On s'attrape ces quatre clans sur Twitter, sur Facebook. Je tiens au jus. Igo, boum!